Voilà. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure et demie peut-être. On va voir un petit peu le temps qu'on va passer à discuter. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Johan Quintard qui va être avec nous pour présenter son travail. Il est plus connu sous le nom de Lighton Art, et il exerce sur la scène. Sur la scène YouTube, hein, sur nous, pardon, YouTube, sur la scène Instagram, beaucoup. Il exerce dans pas mal de directions différentes. Il nous vient de la direction artistique. Oups, attendez, il y a de l'audio ici, c'est bizarre. Tic. Et le micro est absolument pas placé au bon endroit. Voilà, comme ça, je vois mon écran, je vois mon clavier, ça va être quand même nettement plus pratique. Et Johan donc exerce sur pas mal de dans pas mal de directions différentes, et notamment il est tout à fait capable de vous faire à la fois de l'image, à la fois de la direction artistique pour du site internet, pour du web, pour tout type de médias, et surtout ce qui fait d'assez intéressant en plus, et qui fait de la musique, même si on va pas en parler vraiment aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va se focaliser sur l'image. Et du coup, dans un premier temps, je vais récupérer son écran. On est en train de faire les sessions en direct, complètement direct live. Je vois que les anciens sont déjà présents. Je vois que Delphine, Daniel, Alexandre, Viviane, Greg, Stéphane, Seisoun, Christelle et Clément sont présents. Bienvenue à vous. Je vais chercher donc la fenêtre, la bonne fenêtre. On va récupérer la bonne application. On va récupérer la bonne fenêtre d'application. OK. Et normalement, j'ai bien cette fenêtre-là pour l'écran. Ça, c'est une bonne chose. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Petite capture pour avoir pareil la bonne fenêtre. 5 master, plein écran. Et normalement, je vais te faire apparaître, Johan. Ça aura pris un petit peu de temps, mais en ce moment, tout prend du temps. C'est la vie, c'est le. Voilà. C'est la vie. Du coup, je vais te repartager pendant un instant Je vais repartager mon écran. Comme ça, on va voir un peu ta tête et un peu la mienne. Ce sera cool. Hop. Donc voilà, je t'ai mis à l'écran. Bonjour, Johan. Okay. Normalement, tout le Salut tout monde le monde. t'entend. Voilà. Normalement, Ok, vous vous m'entendez l'entendez, vous bien? deux. Ouais, je pense que je vais regarder dans le chat aussi, parce que tout le monde est un peu connecté dans le chat. Les gens sont dispo, les gens sont motivés avec nous. Merci beaucoup à tous pour votre patience sur les petits réglages auxquels on est forcé de passer aujourd'hui. Pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube Adobe France aujourd'hui, ça est bienvenue. Pour ceux qui sont des habitués des sessions et qui nous rejoignent régulièrement, vous savez aussi que d'habitude on a tendance à recevoir les gens dans le studio, à leur régler le son et que tout se passe très bien de manière facile et fluide. Et puis pour l'instant, c'est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de bricolage. Donc voilà ce qui nous arrive en ce moment. Johan, qui es-tu? Je suis un humain, Eh bien. je suis un barbu. OK. Je suis directeur artistique et illustrateur. Je fais un peu de tout. Donc, on va dire créatif, artiste. Donc, direction artistique, illustration, de la peinture, tu l'as dit tout à l'heure, de la musique, de la Ouais. vidéo aussi, de l'animation. Donc voilà, un petit peu de tout ça, mais particulièrement l'illustration. C'est ce D'accord. qui me définit le plus en tout cas. C'est ce qui te définit le plus, c'est ce sur quoi on te connaît beaucoup en ce moment. Ouais. Est-ce que tu as des centres d'intérêt spécifiques? Enfin, co comment est-ce que tu es venu à l'illustration? Posons les questions dans le bon ordre déjà. Oh ben ça commence tout petit, hein. J'ai commencé à vraiment dessiner, je crois, depuis la maternelle, mais vraiment sérieusement depuis le collège, on va dire. Genre, je sais pas, 12-13 ans. Ouais. Je dessinais des voitures à la base. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ma présentation au laptop. J'en parlais où je voulais devenir designer automobile, donc je dessinais beaucoup beaucoup de voitures. Et au fur et à mesure, j'ai découvert la publicité. Donc je suis arrivé en tant que graphiste. Après, je suis devenu directeur artistique, mais toujours avec ce background d'illustration. Donc en D'accord. fait, la plupart des campagnes que j'ai fait, c'était basé sur l'illustration, quoi. Ça m'a facilité, donc les gens venaient me donner ça à faire. Maintenant, je suis devenu plus illustrateur. Enfin,
c'est kiff kiff. On m'appelle pour des campagnes d'illustration. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être essayer de partager un bout de ton écran, comme ça on va te voir dans un coin, ça va être très bien. Hop. Ouais. Si je partage ton écran, on voit ce que tu as mis en place. Où est cette fenêtre? On avait cette fenêtre tout à l'heure, c'était très bien. Hop, voilà. Et je ferai réapparaître ton visage derrière. Est-ce que tu penses qu'on se balade plutôt de ton côté ou de mon côté? Qu'est-ce qui est le plus pratique pour toi? Peut-être pour les réseaux sociaux de ton côté. Après, il faudra que tu me dises, parce qu'il y a un léger décalage sur le live, donc je ne vois pas en direct. Oui, non, ok, alors je vais le mettre ici. Hop. Je vais le mettre de mon côté. Tu me dis ce que tu regardes et je te dirai. Je commenterai. C'est ce qu'on appelle un test en double aveugle. Donc je vais passer d'abord sur ton Instagram. Je pense que ce sera plutôt une bonne chose pour pouvoir introduire le personnage. Hop, ouais. Je mets ici ton Insta qui est OK là. Merci, je vois qu'il y a des gens qui disent belle barbe, ça fait plaisir. Une barbe de confinement. C'est ça. Et tu penses que ça va s'améliorer ou que ça va empirer avec le temps? Je sais pas. J'hésite à... Soit je laisse coucher et je finis en Jésus à la fin du confinement. D'accord. On va voir. Okay. C'est un challenge. Alors pour ceux qui découvrent aussi la chaîne YouTube et qui connaissent pas du tout les sessions, là depuis quelques jours, on essaye de profiter en fait d'avoir des artistes qui sont très engagés dans la communauté, qui réalisent pas mal de boulots différents et qui ont envie de partager avec leurs équipes ce sur quoi ils ont travaillé, la manière dont ils travaillent. Je sais que tu as participé il y a 2 jours. Un live avec Jérémy Kleiss. Ouais. C'était 2 jours, 3 jours, je sais plus, en temps internet, j'ai du mal à compter. Ouais, c'est difficile en temps confinement surtout. Mais oui, c'était à deux jours, je crois. Et pendant ce live, en fait, vous avez échangé sur les doutes, sur la vie d'artiste, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec, etc. Ouais. C'était plutôt une... Enfin, moi, j'ai trouvé que la session était assez intéressante parce que vous avez tous les deux des points de vue sur lesquels il y a des points qui se rejoignent, il y a une manière de travailler qui est assez... qui est pas du tout similaire, d'ailleurs, pour le coup, en termes de travail pur. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on a des façons de faire différentes. La philosophie reste la même dans le fond. J'ai une petite question pour toi, parce que quand on remonte sur ton travail, sur les 6 dernières vignettes du contenu, tu nous as pas mis du tout de bleu, et par contre, auparavant, c'était du bleu toutes les 2-3 images. Qu'est-ce que c'est que ce bleu, et d'où est-ce qu'il vient? Ce bleu, j'ai commencé à le faire, je crois, tout jeune, 16 ans, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à dessiner des personnages, parce qu'avant, je dessinais que des voitures, du coup. Mm-hmm. J'ai commencé à faire un peu plus de trucs. Faire la couleur de peau des humains m'a toujours, on va dire, ennuyé. Parce que je trouvais pas ça très intéressant. Le réalisme m'intéressait pas, du coup, j'ai commencé à faire du bleu. D'accord. Au début, plutôt sans savoir trop pourquoi, et après, à force de le réfléchir et qu'on me demande, surtout, pour moi, en fait, c'est un peu la couleur de l'âme. Je sais pas, c'est un bleu électrique, c'est très vivant, très, très puissant. Mm-hmm. Donc, souvent, les gens me disent, on dirait, ça fait bleu cadavérique, et je trouve pas du tout. Un bleu très pétant, pour le coup, c'est pas un bleu un peu pastel, comme on dessine les zombies dans les comics, quoi. Ouais. Pour moi, c'est un peu l'humanité. Est-ce que tu crois que les gens qui voient ça comme un bleu cadavérique impriment le contenu et ont des impressions pas calibrées? Oui, ça c'est possible aussi. C'est possible. J'ai un peu de mal à retrouver ce bleu. C'est un peu la quête de ma vie en ce moment, c'est trouver comment reproduire ce bleu exactement. L'impression. D'accord, trouver le fameux bleu électrique et réussir à revenir dessus. Je commence à y arriver, ouais. Ouais, c'est bien ça. En interne ou en impression à l'extérieur avec un prestataire? Je travaille beaucoup avec l'usine à pixels, qui fait un taf très bien. C'est le seul qui arrive à s'en rapprocher le plus possible. Faut que j'essaye la sérigraphie. On m'a conseillé. Alors quand tu dis faut que tu essayes la sérigraphie, hein, je vais cliquer sur tu m'as donné un beau PDF hier qui s'appelle le Lighton Presentation. Est-ce que tu penses que je peux l'ouvrir sans faire trop peur aux gens? Ça va?
Bien sûr, oui. Je vais l'ouvrir parce que du coup, en fait, quand je suis dans ce PDF, hein, hop, je vais le mettre en mode plein écran. J'aime bien le PDF pour ça, c'est assez propre, hein, assez rangé, organisé. Oula, attends, il s'est tout envolé. Donc, et pourquoi il est en mode lecture de bourrin, tout seul? Mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir une présentation hyper énervée, hyper vénère, et il doit être en lecture automatique. Faut que je règle ce. Faut quand même que je règle le D'accord. truc. Il s'est mis. Pourquoi tu es en lecture automatique, petit PDF? Hop. Mode de lecture. Eh non. Alors attends. Qu'est-ce que j'ai raté? Est-ce que tu as réglé dans ce PDF spécifiquement le fait qu'il soit en présentation à 1 seconde? Non, voilà, c'est moi. C'est peut-être moi. C'est sans Non, doute je crois moi. pas. Ouais. De quoi? C'est pas le genre de choses que tu règles sur Non. tes œuvres. Je savais même pas qu'on pouvait le faire. Ah si si, mais c'est merveilleux, le Bien. PDF comme outil de présentation, c'est une bonne alternative à pas mal de choses. Ouais, j'ai vu qu'il y Ok. avait énormément d'évolutions ouais, sur le point. Et il se passe pas mal de trucs de ce côté-là, et du coup bah ça permet de se balader un petit peu. Donc ouais, je suis sur la première page de ton PDF où on voit donc tes premiers visuels. Et là, quand tu me parles justement de pas de sérigraphie dans un premier temps ou beaucoup d'impressions basiques, ça veut dire que tout ce qu'on voit là, c'est Ouais. des images que tu as destinées principalement à l'écran. Moi je travaille beaucoup de base à l'écran et en RVD. Je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration de devoir dessiner en CMJN dans la publicité. Du coup, maintenant je fais en RVD et je me débrouille pour que ça y ressemble le plus possible en CMJN. C'est un peu bon. Bon, des fois c'est sûr que ça rend pas pareil, mais voilà, je préfère faire ça. J'aime bien les couleurs bien pétantes et après trouver le meilleur moyen de le faire, quoi, en gros. Pouvoir Plutôt qu'être reproduire. directement confiné dans le CMJN. Il y a des mots qui reviennent comme ça en ce moment. D'accord. Ce qu'on voit d'ailleurs sur tes illustrations, c'est que justement, je pense que le passage par la pub se ressent quand même vachement, vu qu'on a on a forcément un objet principal, on a une accroche, on a une baseline derrière sur la plupart des illus. Co comment comment tu comment tu trouves ces idées? Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce que co comment tu te mets en place là-dessus? Ben, je pense que ben, déjà ma première source d'inspiration, en fait, quand je suis rentré en école de graphisme, j'avais 16 ans, et j'ai découvert un peu le pop art. Et en fait, le pop art avait déjà cette espèce d'élan publicitaire. La culture populaire, par exemple, la soupe de Warhol, je la prends souvent comme exemple, mais il a fait aussi le Coca. Enfin, souvent, on avait un objet principal et puis ça fonctionnait comme une publicité. Et du coup, ça m'a un peu fasciné. Et du coup, après, le fait de rentrer dans la publicité et d'apprendre un peu sur le tas, j'ai appris à faire de la pub avant d'apprendre à faire mon style, en fait. Donc, du coup, forcément, ça se ressent là-dedans. D'accord. Donc, à chaque fois, ouais, en ce moment, je suis très objet central, une petite phrase. Et voilà, un visuel plein de couleurs qui peut être, qui essaie d'accrocher le plus vite possible, un peu comme une pub le fait, quoi. Ok. Donc du coup, ouais, sur les deux premières pages, on est vraiment sur le mode affiche, on est sur tes personnages bleus, sur ce fameux bleu, Ouais. celui qu'on retrouvera tout à l'heure au fond de ton écran. Quand tu représentes des personnages, est-ce que tu es en mode illustration complète ou est-ce que tu te sers des images derrière en référence? Je pense par exemple à ton affiche Corée sur la blague, sur The Prank. Oui, ça dépend, je fais les deux. Je fais les deux. Bah, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai mis de côté des croquis, par exemple. Et des fois, D'accord. je fais des croquis sur. Moi, je peux peut-être vous montrer. Bah, là, il y a un croquis que j'ai commencé hier. Alors attends, faut que Je je te sais mette pas en si on beaucoup plus voit. grand pour qu'on voit tes croquis. Hein. Bouge pas. Où es-tu? Où est ta tête? Elle est là. Hop. Voilà. Sais pas si on voit Ouais, là on voit. correctement. En fait, c'est un truc commencé hier, on voit bien un peu le délire. Tu vois, c'est un peu comique. Enfin, je fais des croquis comme ça. Je sais pas si on a d'autres. Un peu dans tous les sens, tu vois, des trucs un peu plus abstraits comme ça. Ou sinon, je travaille aussi sur des photos. Souvent, je prends des photos, moi, de référence. Par exemple, on voit sur le PDF la ville de Tokyo en dessous. Ça, c'est Ouais. une photo que j'ai prise à Tokyo, D'accord. que j'ai redessinée. Enfin, ça dépend. Des fois, j'utilise des photos, des fois, je fais directement à la main. Ça dépend.
Ça dépend de l'effet que je veux, parce que des fois j'aime bien avoir un réalisme vraiment dans le corps, je me sers de base photo. Ouais, là du coup, donc je suis descendu. Il y a une série de trois personnages en t-shirt. Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette série? L'histoire, c'est que j'ai collaboré avec une marque qui s'appelle Whoop. Whoop.fr, c'est une marque de t-shirts et de prêt-à-porter. Donc, du coup, j'ai fait une collection complète inspirée de mon voyage au Japon, qui s'appelle Legend, qui est encore disponible si vous voulez aller chercher des t-shirts. Et du coup, bah, j'ai fait ma propre com, en fait, avec les personnages bleus pour présenter les visuels de t-shirts. D'accord. Ouais, du coup, ça marche très bien. Et on a toute la partie kanji. C'est toi qui t'es amusé à écrire en japonais ou ils t'ont donné les textes? Google Traduction. Non, c'est j'avais carte blanche pour le coup. C'est même moi qui ai choisi le thème du Japon. Mm-hmm. Bon, je ne parle pas japonais, du coup, je me suis servi de Google Trad et j'ai fait valider par les japonais qu'on avait rencontrés là-bas. Ce qui m'a l'air pas mal comme choix. Je me suis bien amusé. J'adore je sais pas, les kanji japonais, quoi. Très graphique. Warhol comme illustration, Warhol comme inspiration, très clairement. Warhol, c'est un peu un mentor. Après, c'est surtout une période de ce qu'il a fait, parce que je connais pas tout et il y a des trucs qui me parlent moins dans ce qu'il a fait. Mais c'est les trucs les plus connus, on va dire, la soupe, les... Il a fait sa série sur le coca, sur Marilyn Monroe. Forcément. Ouais. En fait, c'est ce qui me fascine le plus, c'est pas spécialement, c'est beau, hein, forcément, mais je veux dire, c'est pas l'aspect graphique, c'est plus le fait qu'il ait réussi à populariser l'art, en fait. Je veux dire, pour moi, ça appelle des clics de tout le monde peut en faire. Ouais. Parce que quand il a dessiné une boîte de soupe, ça appartenait à sa vie. Et c'est quelque chose qui faisait écho à sa vie à lui, mais c'est un produit banal. Du coup, ça veut dire qu'on peut tous le faire et avoir un message derrière, quoi. Tu vois, c'est, si toi, tu vas dessiner, je sais pas, une cigarette, peut-être ça va te parler, tu vois, tu peux raconter plein de choses et sans être un peintre, genre, Picasso, tu vois, l'image que j'avais plus avant de la peinture. Les peintres qui mettent des années à travailler leur style pour pouvoir être pris au sérieux, quoi. Donc vraiment le côté populaire, le côté accessible de l'œuvre, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. On va continuer de descendre un petit peu. On doit sur des téléphones portables. C'est quoi? Tu as fait des écrans, des lens, des stickers, ou c'est juste de la mise en forme? Ah oui. Non, ça c'est on a travaillé dessus. Mike Stéphanie, on faisait partie. On était plus d'une équipe d'illustrateurs. On a travaillé pour Snapchat France. On a fait tous les stickers et lens pour la France. D'accord. C'était bien cool avec Creation Tour, c'est ça. Et du coup, on s'est bien amusé. C'était carte blanche aussi. Donc voilà, j'ai fait un peu d'animation. Je ne sais pas si on voit, non, ça ne bouge pas, mais les doigts bougent comme ça. C'est de l'animation traditionnelle, frame par frame. Et alors, t'as fait ça sur quoi, du coup Sur l'anime, c'est quoi Animate, After? L'anime, alors moi, je fais ça souvent très à l'ancienne, c'était sur Illustrator. C'est-à-dire que j'ai filmé ma main faire ça. Ouais. J'ai découpé, je sais plus, 12 images pour une seconde. Et j'ai dessiné chaque plan à la tablette, quoi. D'accord. Ouais, c'est cool. Ça marche très très bien, en tout cas. Et j'avais pas percuté du tout que Mike Stefanini était dans cette histoire-là. Pour ceux qui sont intéressés, Mike Stefanini, Atomike Studio, on l'a reçu il y a quoi maintenant? Il y a un peu plus de 6 mois. Il s'est échappé, il est réapparu, il a redisparu. Et pour ceux qui sont intéressés... je sais pas s'il est là, je sais pas s'il est levé déjà à cette heure-ci. 14h, il a un décalage horaire de ouf en ce moment. Par contre, il a mis en place, et ça peut être intéressant pour tous les gens qui nous regardent de loin, qui sont chez eux tranquilles, il a mis en place « Likez-vous les uns les autres » sur Instagram, et j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de discussions avec différents illustrateurs, différents graphistes, photographes ou autres. Ils essayent de partager des ressources. T'as participé à ça ou pas encore, toi? J'en ai fait un sur mon Instagram à moi, mais il m'a proposé de faire partie des conseils, donc je vais en faire un. Il sera sur Likez-vous les uns les autres. D'accord. Mais écoute, faut que je l'enregistre. Je ne l'ai pas encore enregistré. Je suis impatient de... Je vois quelqu'un qui dit... Ce que tu dis, c'est pas un bleu clin, mais ça m'y fait penser, c'est voulu.
c'est pas voulu, mais je pense que l'obsession du bleu de Klein m'a touché à un moment donné. Ouais, c'était une réponse en tout cas. C'était ta réponse sur ça, ouais. Je pense. Ouais. Page suivante, on est chez Everdeen, Radio. Là, c'est beaucoup de bleu, mais du coup, c'est plus le tien, c'est le leur. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment. Là, c'était quand je travaillais en agent. Je pense que mon bleu était un peu moins présent. Il y était, mais j'étais pas. Puis donc, je l'impose pas non plus. Hein. Ça reste un style quand même perso. Quand je peux me faire plaisir avec, je le fais. Mais quand c'est pour les clients, bah, je respecte leur univers. Forcément. Ouais, les univers, les chartes. Et donc, ouais, c'est ça. Donc là, ouais, Virgin, j'ai travaillé un an et demi sur la communication, sur un peu tout en fait, les affiches, les pubs télé animées du coup en tout en illustration. Je crois que ça c'est ce qui est vraiment le client qui m'a mis vraiment les pieds dans l'illustration. D'accord. Là, là c'était vraiment DA illustration et à partir de ça, on est venu me chercher pour ce genre de trucs. La plupart du temps. Ouais, parce que du coup là, il y a un paquet de recherches, illus et texte, lettering, tout ensemble. Ouais. Il y a tout. Ouais. C'était intéressant parce que c'était un client à l'année, ouais. Donc c'est-à-dire constant. Et du coup, on devait être réactif, créatif, enfin, tout en réaliser des trucs nouveaux pour des parutions dans la presse, à la télé, pour des news. Enfin, c'est assez intéressant. Ça oblige à être tout le temps créatif, au mieux possible, quoi. C'est pas tout le temps parfait, hein, mais c'était vraiment un truc cool. Je fais un petit big up à l'agence Sobezi. C'est avec eux que j'ai travaillé là-dessus. D'accord. C'est cool. Alors, frérot de la Vega, tu t'es mis à faire du clip? Ouais. De quoi? Tu t'es mis à faire du clip dans la foulée? Non, du clip, j'en faisais avant. Ouais. Mais, là, pour Frérot de la Vega, ça continuait à être Virgin, parce qu'on recevait un peu les stars de la chanson pour tourner les spots de pub. Mm-hmm. Et moi, je leur expliquais comment mes illustrations allaient bouger autour d'eux. C'était très cool. mais c'était pas moi qui réalisais. D'accord. C'était Béa, illustrateur derrière. C'était réalisé par Mathieu Deloz, de l'agence Tour de Vie. Donc, on voit sur la photo en bas. Coucou Mathieu, je sais pas s'il est connecté en ce moment. Écoute, je ne l'ai pas vu s'exprimer, je regarde vite fait s'il fait partie des gens qui ont parlé, mais je ne crois pas. En tout cas, c'est pas un nom que j'ai vu. Pour ceux qui débarquent ici et qui ont pas encore, enfin qui connaissent pas, vous oubliez pas qu'on est sur YouTube, qu'on est en direct, ce qui fait que si vous voulez passer par le chat, vous pouvez tout à fait nous laisser passer un message directement à Johan. Il y a Charlotte qui dit que t'es le meilleur illustrateur du monde. Ouais, c'est la terre. Ouais, c'est ce qui m'a semblé. Hein. Je me suis dit aussi que vous aviez le même blaze et que c'était assez rare. Ouais, t'aurais pu changer de blaze, Charlotte, quand même. C'est ça. La sœur de l'autre. David Guetta, Lovers on the Sun. Autre style, du coup. Ouais. Autre style, là, tu sais, j'étais pas tout seul. Pour la pochette validée, j'ai travaillé avec Rony Jean-Baptiste, un autre directeur artistique. Très doué, qui travaillait chez Sobezi à l'époque aussi, donc c'était sous la même agence. Donc ouais, petit contrat très cool. Moi j'ai fait la typo et j'ai fait d'autres propositions en illustration. C'est une belle occasion de pouvoir travailler pour David Guetta. Je suis sorti dans le monde entier, c'est assez rigolo. Ouais, quand même, ça fait de la grosse présence, ouais, du coup. Ouais. Ça plus les versions déclinées, donc avec. D'autres thèmes de couleurs, et pour le coup sur les autres pochettes on te retrouve plus. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a comme histoire derrière sur celle dessinée, tu veux dire? Ouais, parce qu'on a la pochette en mode, ouais, surimpression, double impression indien, et derrière on a trois visuels avec l'illus. La surimpression, c'est un travail avec Ronnie. Mmh. Du coup, avec qui j'ai bossé. Donc, lui a fait le fond, moi la typo. D'accord. En fait, si tu veux, on a tous les deux, on n'a pas travaillé ensemble dès le départ. On a fait tous les deux des propositions, chacun de notre côté. Et on a envoyé tout ça à David Guetta, qui lui a remixé. Ce qui a fait qu'en fait, il a pris une proposition de Ronnie, une des miennes, et il a matché les deux. D'accord. Et du coup, ça a donné ça au final. Très bien. Il explique le fait que là, on voit beaucoup plus mon style perso sur les illustrations. Ouais, forcément. Derrière, on a Wax Taylor. Et là aussi, ouais, pareil, tout univers avec crème, bleu plus foncé, bordeaux. Quatre visuels.
C'est raconte. Watt-Taylor, c'était différent. Là, c'était plus en agence. Ouais. J'ai commencé à être en freelance il y a 5 ans. C'était un de mes premiers clients, en fait. J'ai juste répondu à un tweet qu'il a fait, parce qu'il cherchait un DA pour travailler sur son logo et sa pochette. Mm-hmm. Et donc, du coup, ça a marché. On s'est bien entendu. Et j'ai commencé à travailler avec lui. Donc, j'ai fait son nouveau logo. D'accord. Qu'il utilise en ce moment même. Mm-hmm. Et je lui ai fait des propositions de pochettes. Alors ça, il faut savoir que c'est des pochettes qui ne sont pas sorties, au final. Ouais. Lui a préféré, par la suite, se diriger sur de la photo. Mm-hmm. Mais je me suis bien amusé sur cet album. Écoute, il y a toujours le logo, donc tu n'as pas tout perdu dessus. Non, je n'ai pas tout perdu. Moïse the Dude, OG, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Alors ça, c'est sorti en début d'année, c'est un rappeur, ouais. Moïse. Je ne sais pas s'il regarde, peut-être. Mais... Big Up, lui qui a sorti son dernier album, qui est dispo sur toutes les stations streaming, j'allais dire, j'ai 60 ans. Mm-hmm. Toutes les stations. Sur toutes les bonnes radios. J'ai fait sa pochette. Mm-hmm. Ouais, exactement. La pochette de son Scopitone. Et voilà. Ouais. De son gramophone. Et du coup, là, il m'a laissé carte blanche. Donc, pour le coup, j'ai volontairement enlevé le bleu. Mm-hmm. Parce que, bon, des fois, c'est pas nécessaire non plus. Mmh. J'ai envie d'essayer d'autres trucs. J'essaye de pas m'enfermer trop dans ce bleu, justement, parce que il y a une obsession, c'est intéressant à travailler, mais au bout d'un moment, on peut se retrouver bloqué. Donc, j'essaye de voir d'autres couleurs. Mmh. Je suis assez content. Je trouve que ça marche bien. Lui aussi, donc tout le monde est content. Alors, je continue de me balader dessus sur le fameux PDF. Cette série d'illustrations très très corporate, mais corporate glitch. Avec de la réalité augmentée, avec qu'est-ce qui se passe derrière, avec des likes. Ah, tu te rappelles plus ce que tu m'as envoyé hier. Ouais. Tu as tout à fait le droit de rouvrir ce PDF. Voilà. Ouais, je on va faire ça je pendant ce temps. Temps. Ouais. Merci. Ah, voilà. Merci. C'est sur Dassault, là, les... Ok. Alors, ça, c'est vrai que c'est un client bien différent, mais. C'est assez intéressant parce qu'il m'a laissé carte blanche aussi. Mmh. Donc, ça, c'était Dassault. Il m'a demandé d'illustrer tout un article sur les villes connectées. Dans leur, tous les ans, ils sortent un rapport, un gros livre dans lequel ils mettent toutes leurs innovations. Toutes les innovations, tous les chiffres. Dans les villes connectées. Mmh. Ouais, exactement. C'est le rapport annuel. Ouais. Et du coup, bah, voilà, j'ai pu faire ça. On m'a laissé carte blanche et du coup, j'ai choisi délibérément de ne pas trop mettre du bleu. Voilà, je me raisonne aussi, hein. Ah, mais il y en a quand même, hein, c'est Il y en a quand même, ouais, mais il est pas, c'est pas omniprésent non plus. Il est moins flagrant qu'il n'a pu l'être dans le reste de ta com. Alors, image suivante, du coup, où est-ce qu'on va? C'est 10 secrets pour avoir confiance en soi. Est-ce que c'est un livre que t'as écrit? Non, du tout. Non, ça, c'est ma tante qui l'a écrit. Uh-huh. Et du coup, elle m'a demandé de lui faire des petites covers. Donc, je me suis amusé, c'était la première fois que je faisais des covers de livres. D'accord. C'est rigolo, assez simple. J'ai essayé justement là de faire un traité très, j'allais dire graphique, mais je sais pas si c'est le mot, mais très, très épuré. Parfait. Je l'ai pas lu, je sais pas si c'est le mot. Quoi? Mais alors que tu aurais dû. J'ai lu le synopsis. C'est ça, bon, si t'as au moins le synopsis, c'est bien. C'est ma tante. c'est la famille. Après, t'es parti dans l'alcool. T'avais des choses à noyer. Après, j'ai tombé dans l'alcool. Ah, ça, en fait, c'est souvent ce que je fais et ce que j'ai refait, on en parlera peut-être après avec Coca-Cola cette année. Mm-hmm. C'est que quand on m'appelle pas forcément là où j'ai envie d'aller, j'ai tendance à le faire tout seul. Mm-hmm. Donc, j'avais envie de faire du packaging. J'ai l'idée de voir les illustrations en packaging, ça me semblait cohérent. Donc, mais bon, les gens ne vont pas me le demander tant qu'ils ne l'auront pas vu fait. Donc, ouais. Je me suis dit, autant y aller moi-même. Et en 2016, du coup, pour la bonne année, j'ai refait le coffret entier du Dom Pérignon. Mm-hmm. J'en ai fait, je sais plus combien, 5, je crois. Ah ouais. Tu les as fait fabriquer? J'ai fait le coffret. Comment? Tu les as fabriqués directement ou c'est du montage derrière? Ah, je les ai fabriqués avec le plan B, en fait. C'est-à-dire que j'ai imprimé un espèce d'aplat en adhésif. Mmh. J'ai acheté les coffrets et j'ai recollé dessus. D'accord. Donc, ça marche très bien, c'est assez propre. Mmh. Et j'ai refait l'intérieur pareil avec le papier prêt à plier, qui monte dedans.
Et du coup, je l'ai offert à mes meilleurs clients, justement, entre 2016 et 2017, pour la bonne année, quoi. D'accord, classe, sympa. Là, je me suis fait plaisir. Il fallait être client de te... il fallait être ton client en 2016. Voilà, c'est ça. Bah, après, j'ai fait d'autres trucs, là. J'ai fait un skateboard. Enfin, tu vois, j'essaie de faire des cadeaux. Alors, on a fait le tour de ton PDF. Ouais. Du coup, si je cherche un peu des infos sur toi, je vais directement sur ton site, c'est Light on Art, je crois, si je dis pas de bêtises. L'Instagram, c'est Light on Art, et ouais, le site, c'est yoannquintard.com. Ah oui, c'est ça. Je me disais, c'est bizarre, il veut pas me le faire réapparaître. Bienvenue sur le site. Donc là, on va retrouver un petit peu tous les projets dont on parlait tout à l'heure. Pour ceux qui suivent Adobe France ou qui te suivent toi sur Instagram, vous avez vu passer ce style sérigraphie, impression avec grosse trame, couleur pop sur les stories Insta. C'est d'ailleurs là qu'on va communiquer avec les artistes qu'on reçoit pour vous informer un peu des prochaines sessions, des prochains lives qui vont avoir lieu en direct de ton canapé. Alors pour le coup, t'es pas vraiment dans un canapé. Non, je suis dans mon fauteuil de bureau, ma chaise de bureau. C'est bien, c'est plus raisonnable. C'est plus raisonnable. Ouais, c'est plus raisonnable. Ça fait plus actif. Si je devais aller me battre... là que dans mon canapé. Ah, tu m'étonnes. Surtout quand on voit la quantité de trucs que tu fais à côté. Donc là, on avait fait un peu le tour des clients et des du name dropping sur les projets. Est-ce que tu veux que j'aille faire un tour du côté du personal work ou Tu peux. Il y a encore, on peut faire encore un peu de name dropping. Vas-y, vas-y, vas-y. Je trouve qu'il y a des projets en fait dernièrement qui commencent à rejoindre doucement l'illustration personnelle. Mm-hmm. Et ce que je fais, et d'autres pas du tout aussi. Ça peut être intéressant à montrer. Par exemple, tu peux regarder Myra, ouais. qui est du coup une comédienne et chanteuse qui vient de sortir son album là il y a 3 semaines. Et oui, c'est tout frais, là quoi. C'est du graphisme pur, c'est complètement différent. Il y a peu d'illustrations, c'est vraiment de la DA classique. On cherche à aller au mieux, à répondre au mieux à son concept en fait. Mm-hmm. Donc voilà. Bon, certes, je suis obsédé par le bleu, mais pas du tout. Je le fais pas tout le temps. Ouais, là il y a du rouge. Alors il y a deux séries, il y a Crazy et Let Me Stretch. Ils vont dans quel ordre du coup? C'est face A, face B? Alors ça c'est les deux singles, ouais. Et l'album n'est pas encore sur mon site parce qu'il vient tout juste de sortir et il fallait rester confidentiel. Mm. Je vais bientôt l'ajouter, vous irez voir sur Deezer, Spotify, je peux taper Myra. D'accord. Ça s'appelle Seven, mais et voilà, c'est un peu le même concept que cette pochette de single. Oh, c'est cool, ça marche bien. Donc, voilà. Après, où vais-je? Guide-moi. Alors, tu peux aller sur The Art Plug. Donc là, c'est justement le moment où on me demande un truc carte blanche et qui vraiment rentre en osmose avec mon style, en fait. The Art Plug, en fait, je me suis mis à la peinture vraiment sérieusement il y a un an. Ouais. On n'en a pas trop parlé, mais en gros, je fais de la peinture aussi. J'essaie de reproduire ce que je fais sur écran en peinture. Je trouve que ça a plus de je sais pas comment l'expliquer, plus de sensations. Enfin, c'est plus agréable à regarder, ça reste dans le temps. Enfin, mais alors, quand tu dis reproduire ce que tu fais sur l'écran en peinture, c'est-à-dire que tu démarres d'abord sur l'écran et après tu te mets à peindre. Ouais, je dis reproduire dans le sens où reproduire mon style. Mmh. Et oui, effectivement, la plupart du temps, souvent, j'aime bien commencer un brouillon sur l'ordi. Ouais. Parce que je vais plus vite, tout simplement, c'est mon outil de base. Et du coup, je sais à peu près où je vais aller. Et après, je refais en toile. Souvent, ça change un petit peu. D'accord. Ça, en vrai, ça me permet de réaccorder, mais je sais où je vais. Du coup, The Art Plug m'a proposé d'exposer à la Art Basel. Donc, c'est un peu la FIAC de Miami, on va dire. Mmh. Et en même temps, de m'occuper de toute la com de l'événement organisé par The Art Plug. Mmh, mmh, mmh. Du coup, là, c'était vraiment très perso et ça m'a permis de mettre un peu mon style du moment, on va dire, avec tous les trucs déchirés au service d'un client. Au service d'un client et vraiment, pour le coup, sur tout support, quoi. Parce que t'as eu du papier, ouais. T'as eu de l'affiche, t'as eu de la moto, ce qui est rare, quand même. Ouais.
Ouais, c'est clair. On a fait des stickers aussi, enfin, pour que les gens créent eux-mêmes leurs motifs avec les déchirures et tout, c'est sympa. Ouais, c'est classe, ça. C'est classe. Alors, après The Earplug, où est-ce que où va-t-on? Après, je pense qu'il y a eu le... on peut aller voir, tu voulais, des trucs plus corporate. Ouais. Par exemple, il y a Danone, Ouais. dernièrement, ou Engie, qui sont des contrats, parce que même, là, on montre beaucoup mon style perso et les illustrations, mais bon, je suis comme tout le monde, il faut que j'ai des contrats qui rentrent pour manger, donc je fais pas tout le temps ce que je veux, on va dire, parce que c'est des contrats agréables à faire, mais c'est différent, moi, j'aime bien changer un peu. Donc là, je sais pas si t'es Alors, sur Engie ou sur... j'ai fait un tour sur les deux, c'est-à-dire que j'ai fait un tour de yaourt Ouais. avec le petit tote bag, le petit yaourt en Ouais, illustration. exactement. Alors c'était, ils ont vraiment pimpé ton yaourt ou c'est un montage Photoshop? Bah en fait, ça c'était un projet fait pour les Instagrammeurs et les petits influenceurs en fait, qui allaient recevoir les produits Danone Pimp My Logo. Donc voilà, on m'a demandé de faire un tote bag et un petit logo. Et Engie, pour le coup, c'est tout un projet de publicité où, comment dire, pour humaniser les employés, ils m'ont demandé de les dessiner. Donc en fait, D'accord. pendant longtemps, j'ai reçu des portraits de gens du monde entier, de chez Engie, et que je devais redessiner dans ce style-là. D'accord. C'était assez cool. C'est sympa ça. C'est pas mal à faire. Ouais, c'est sympa. Ils se sont épargnés le fait de faire un photoshoot de chaque employé sur toute la planète, quoi. Exactement. C'est ça. Pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, c'est bien, c'est hyper personnalisé du coup. Et Ils le sont tout. bleus, mais ça, c'est le logo d'Engie. C'est ça, c'est pas ta faute, c'est pas ton. Non, c'est pas ma faute. Y a uniquement des clients avec des logos bleus qui te contactent. C'est pour ça que tu t'es mis à C'est travailler ça, sur la sur exactement. la bouteille de soda. Voilà, exactement. Des humains bleus, tout. Vous êtes bleu quelque part. Alors après, je vais Je où? comprends. Le particulier, Ibsen, Oui, In. on peut aller sur le particulier, qui est nouveau pour moi. J'ai rencontré Edith Valeron, qui est la directrice artistique, je crois, du magazine Le Particulier, et qui est en charge en fait de trouver les artistes pour illustrer les articles Ouais. du magazine. Donc j'avais jamais fait de presse avant, et D'accord. c'est un format différent. Je savais pas comment l'expliquer. Ça semble plus libre. On vous envoie l'article, et selon la manière dont vous l'imaginez, vous illustrez comme vous voulez, quoi. Donc je me suis bien amusé. En plus, on a le droit d'être un peu. Ah, je m'allumais que c'est éteint. On a le droit d'être un peu comment rigolo. Enfin, c'est vachement libre. Ouais, tu Très peux classe. complètement apporter ta patte là-dessus. C'est quoi, c'est mensuel le particulier, c'est ça? Je sais plus. Alors, je sais pas. Parce qu'il y en a, il y en a plusieurs. J'en ai fait pour le particulier santé. Je crois qu'il y a un Ah, mensuel, si je d'accord, dis pas ouais, de il y a bêtises. plusieurs. Et il y a le particulier. Mais c'est peut-être que des mensuels. Je vais pas Ouais, dire de bêtises, je. je sais pas. C'était. Non, c'est. Mais en tout cas, c'était pour comprendre un peu la partie rythme derrière. Non, Ibsen, oui, Merci dans le non. chat, vous êtes gentil. Salut Delphine. Je lis de temps en temps. Ouais, mais moi aussi j'essaye de lire. Ibsen, ah, tu t'es mis à importer des gélules de drogue par container entier. Oui, exactement. Alors ça, c'était ouais, une animation pour... si tu cliques sur le petit œil qui clignote, Ouais. normalement, ça va la démarrer. Ah, ok. C'était une animation qui expliquait la contrefaçon de médicaments. Donc D'accord. voilà, j'ai fait la DA et l'ILU dessus, mais je travaille avec un motion. C'est assez cool à faire. J'aime bien les petits projets comme ça. Hop. On est sur la. Ça a l'air de s'être lancé. Et du coup, ouais, toi t'as fait la DA des élus et c'est lui qui s'est occupé de tout animer derrière et de tout mettre en place ou c'est toi qui t'y es collé? Non, moi j'ai pas animé. J'ai commencé à faire de l'animation, vraiment à le proposer aux clients cette année. Donc, en D'accord. fait, j'ai toujours travaillé avec des motion avec moi, parce que c'est un métier complexe, hein, Ouais, bien sûr. ne serait-ce que quand on commence à demander des modifs, moi je sais pas bien, mais je savais animer, mais voilà. Ouais. Et maintenant, je commence à être un peu plus confiant et je le fais moi-même. Je te montrerai tout à l'heure des petites animations justement pour The Earplug, Bah écoute, pour carrément, la carrément. Hardbaguette.
Avec grand plaisir. Ah bah à la limite, on peut switcher directement là-dessus ou tu veux qu'on glisse sur Personal Work pour finir? Plutôt in ou plutôt Bon, tu peux Personal aller sur Work? Personal Work, mais je me rappelle plus. Tu te rappelles plus ce que tu as mis dans ce Peux site? passer sur in aussi si tu veux. Alors qu'est-ce qu'on a dans in? On a un corbeau. Alors, in, c'est oui, c'est un projet d'animation que j'avais co-réalisé avec Raphaël Bizet. Ouais. Du coup, lui à l'animation, moi à l'illustration. C'était un projet complet en frame by frame. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est comme les vieux Disney. En gros, on dessine image par image. Je crois qu'on est peut-être, si je dis pas de bêtises, à 16 images secondes, D'accord. celui-là, ou peut-être 12, je sais plus. Bref, ça date un petit peu. Donc, c'est un projet de 45 secondes et il y a eu à peu près, je dis pas de bêtises, 1600 dessins. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Et voilà, il a fait sa petite vie en festival. C'est cool à faire. Sur le Nice. thème de Buster Keaton. Tout à fait. Tout à fait, je vois ça. L'ancien Charlie Chaplin, quoi. Du coup, tu dis c'est Raphaël qui est dessus Ouais, sur exactement. On a l'illustration. travaillé à deux là-dessus et Florian Gentelet au son. Alors On s'accorde. pour ceux qui se demandent pourquoi je dis Raphaël et pas juste Raphaël Bluzet, Raphaël, on l'a reçu sur la chaîne YouTube pour parler justement de ses différents courts-métrages, parce que c'est un peu lui aussi un animateur foufou qui fait plein de trucs et qui fait surtout des projets un peu titanesques tout seul comme un grand. Donc si vous avez l'occasion de revoir la session avec Raphaël, je pense qu'elle va passer dans le chat tout à l'heure, vous pourrez jeter un œil là-dessus. Vous verrez, c'est assez cool. On a vu quand il est parti dans l'espace. On n'a pas encore vu son retour de son egg shelter, de sa coquille d'œuf. Vous pourrez jeter un œil prochainement. Je ne sais plus quand ça sort exactement. Raphaël, si tu nous regardes, coucou. Et du coup, en personal work, finalement, c'est assez calme. Il y a du moteur, il y a de la glace californienne. Ouais, alors Personal Work, en vrai, c'est Instagram, mon Personal Work. Je le mets pas souvent à jour sur le site. Donc voilà, c'était pour ajouter un petit peu sur le site, mais il faut encore que je mette à jour. C'est le grand problème des sites. C'est que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a tendance à délaisser un petit peu. C'est C'était ça. mon cas. Bah, une chose à la fois aussi. Je pense que c'est Ouais, déjà exactement. suffisamment bien fourni pour pouvoir vraiment présenter le bonhomme et son travail. Alors attends, je vais repasser, on va switcher d'écran, je vais mettre ta tête en grand le temps que tu choisisses ce que tu vas mettre sur ton écran. Qu'est-ce que tu nous partages par la suite? Dis-moi. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, les croquis, tiens. Je me demandais tout à l'heure. Vas-y, vas-y. Je crois que j'ai mis Photoshop. Croquis. Alors, vous voyez mon écran là? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Hop, hein, pourquoi j'ai plus ta tête? Parce que je l'ai mise là. Hop, c'est bon, on est chez toi. On est chez toi, on voit Like Me. Vous voyez quoi? Tu vois les croquis là Ouais, ou? là je vois les croquis, c'est bon. Là on Ok, voit les parfait. trois croquis Donc en plein sur écran. la Alors page. voilà, tu me demandais comment je travaillais, donc ça dépend. Des fois c'est comme ça. Donc là voilà, j'étais en vacances et j'ai pris mon petit carnet pour faire les croquis et j'avais des idées. Et ces croquis-là, après, je les retravaille sur Illustrator ou Photoshop. En ce moment, je fais plus Photoshop. D'accord. J'en avais un peu marre du trait parfait d'Illustrator, donc j'ai été chercher dans Photoshop. Et après, ça donne des choses comme ça. Voilà. D'accord. Donc là, on a eu le passage croquis et on va dire travail fini. Ou sinon, bah, je travaille via des photos. Attends. Pas dans là. Ah, ben, je ne l'ai pas. Eh ben non, vous ne Merde. verrez donc pas Bah, tant le. pis. J'avais une photo d'une rue en fait que j'ai redessinée. Bon, après. Illustration ici. Voilà. Là, on a l'illustration. Mais voilà, l'illustration de la rue est basée sur une photo que j'ai prise avec mon téléphone. D'accord, Et ouais. après, moi, j'ai ajouté ce personnage au milieu. Et puis, j'ai tout refait en avec des couleurs différentes. J'ai ajouté des éléments. C'est dommage. J'ai dû faire un problème, une fausse manip dans l'export du PDF. Bref. Voilà. Et je peux vous montrer
un peu d'animation, du coup, dont je te parlais tout à l'heure. Dernièrement, j'ai fait de l'animation, on va dire, vectorielle. Enfin, en gros, c'était que avec justement mon style, pour le coup, en vectoriel, que je trouve c'est plus simple à animer, et pour Miami. Donc, c'était des teasers Instagram, comme ça, très rapide. Pour que les gens aient envie de venir à l'événement, en fait, et c'est sponsorisé par Red Bull. Et donc, c'est la continuité de la com que vous avez vue tout à l'heure. D'accord. Et alors, quand tu dis que tu fais toute l'illustration sur Illustrator, à la fin, tu leur fournis les frames une par une et ils se débrouillent, enfin, ils assemblent, ou tu leur fournis quand même un fichier non, vidéo? Non, non, là, c'était, je finis, j'ai même fait le sound design, enfin, j'ai fait le truc complet. Non, là, c'est pas du frame par frame. Ouais. Là, on est sur vraiment de l'animation, plus After Effects pour le coup, mais tous les éléments sont dessinés sur Illustrator. D'accord. Ouais, carrément. Et donc ça, ouais, ça c'était sur The Airplug. Voilà, c'était pour annoncer les différents événements de The Airplug. Normalement, je dois en faire encore pour les prochains événements de cette année, mais avec le coronavirus, forcément, tous les événements sont annulés, donc c'est ça. Mis en pause, mais il y en aura d'autres dans ce style-là au fur et à mesure du temps. Tout à fait, une chose à la fois, on a le temps, ça va revenir, il n'y a pas d'urgence. Oui, pour l'instant, oui. Je peux vous montrer un autre, pendant qu'on est dans l'animation, de toute façon, un autre style d'animation qui, pour le coup, là, c'est du frame par frame. C'est pour Parion Sport et Red Bull. D'accord. Qui m'ont contacté pour, du coup, bah, vu que je fais de la musique, du hip-hop et de l'illustration, forcément, ça leur a paru cohérent de m'appeler pour faire des animations sur des battles de rap. Donc en fait, ils ont lancé un projet qui s'appelle Clash on Sport. Et c'est des rappeurs qui se... Bon, je pense pas que vous aurez le son, mais c'est des rappeurs qui se clashent en représentant des équipes de foot. D'accord. Voilà. C'était rigolo à faire et j'ai fait l'ADA du projet de toute la série et chaque animation des épisodes. D'accord. Ça, il faut savoir que c'est 2 jours pour faire tout ça à chaque fois. Je reçois les rushs et j'ai 2 jours pour faire ça. Donc... je précise parce que c'est pas de l'animation incroyable, ça montre un peu les capacités de l'illustration en gros en frame par frame. Parce que du coup, tu reçois les rushs, il faut que ça ressorte, il faut que ce soit publié directement pour rester un petit peu, je suppose, dans le flow de ce qu'ils avaient en tête. Sur ça. Et, en général, je reçois le jeudi matin et que ça sorte le samedi midi, en ayant fait les validations, les corrections. Ça représente beaucoup d'allers-retours, tout ça? C'est sur le premier, un petit peu. Le premier, c'était un gros rush, parce qu'il fallait mettre en place... Ben, l'air de rien, moi, j'arrivais avec une DA directe. C'est-à-dire que j'avais déjà fait le logo en amont. Mais ben, la DA des épisodes, tant qu'ils ne la voyaient pas bouger, ils ne pouvaient pas valider, vraiment. Donc, il fallait le faire en produit fini tout de suite, et avec le risque que ça ne passe pas. Bon, j'ai de la chance, c'est... Ils ont bien aimé, il y a juste eu 2-3 corrections, parce que moi, je suis pas un grand fan de foot, donc il y a des nuances que je capte pas. Mais du coup, on a calibré ça, et le premier épisode était un peu dur, et après, pas plus tendu, mais ça allait. Alors, j'ai une question dans le chat de TMPX, qui nous dit apparemment, ton inspiration vient parfois de la mythologie. Est-ce que c'est juste une apparence, ou est-ce que ça fait partie des... Oui, c'est vrai. J'ai eu alors c'est moins le cas maintenant. Parce que bah au fur et à mesure du temps là en ce moment je suis sur les affiches déchirées et ce genre de trucs là, mais oui, pendant un moment j'ai dessiné beaucoup de statues grecques et j'aimais beaucoup l'apparence légendaire de ces choses là, donc j'essayais que mes personnages aient des poses comme ça. Et ouais, par exemple en ce moment il y a Daniel Archam qui peut-être connaissent, qui est un artiste qui travaille qui a justement de faire qui peut ressembler à moi, la façon dont je vois les choses par rapport à l'art grec, c'est qu'en fait il transforme toute la pop culture en art grec. D'accord. Parce que là en ce moment il est en train de faire des sculptures de Pokémon en vieilles statues un peu cassées avec des cristaux dedans, et je trouve ça ouf. J'ai de l'inspiration de la mythologie, j'aime beaucoup ça, mais ça se voit pas forcément au final. Ça passe dans un filtre de pop culture et de couleurs flashy. Ouais, et puis tu réadaptes par rapport à ton image, à la manière dont toi tu vois les choses. De toute façon, pour répondre à cette question, je crois que j'ai une illustration là, qui correspond, voilà. Enfin, voilà, c'est ce genre de truc là que j'ai fait.
qui ressemble beaucoup à la mythologie. Mythologie, c'est les cariatides, les... Ouais, c'est ça. Puis, je suis beaucoup inspiré par les voyages. Là, cette illustration, c'est en allant à Rome, j'ai visité le Vatican. Enfin, simple, bon, curiosité, je suis pas branché croyance, mais je trouve ça, c'était incroyable au niveau décoration et sculpture, justement. Et du coup, j'ai beaucoup redessiné des scènes de là-bas, quoi. D'accord. Et voilà, pour l'animation, sinon, j'ai plusieurs choses à vous montrer, mais j'aime bien animer un petit peu mes illustrations. Il y a ça, j'ai refait ça de Maniac, pour ceux qui connaissent, la mini-série sur Netflix. J'ai pas vu ça encore. Une toute petite animation, voilà, en regardant la série. Inspiré. Et Snapchat pour vous montrer je vous parlais tout à l'heure. Oui, les fameuses images par image. Voilà, exactement. Vous avez peut-être vu passer si vous utilisez Snapchat. Et pour le coup, moi, pas du tout, donc je sais pas. Et j'ai pas fait de sondage dans le public pour savoir qui avait l'âge d'avoir vu passer tout ça sur Snap. Il y a le FC Snap. C'est ça. Le chat. Est-ce que vous si êtes là? Si vous voulez voir quelque chose en particulier. Écoute, moi, j'aurais bien regardé. Je sais pas, est-ce que tu te sens de dessiner avec nous montrer un peu du process? On a parlé un peu des illus. Est-ce que c'est un truc que tu. Ouais. Bien sûr. Ça peut arriver, ça, ou pas? Je peux montrer un fichier, si vous voulez, avant. Oui, carrément. Tiens, j'ai mis des PSD là. C'est des affiches que j'ai faites dernièrement pour Paris Basketball, le club de basket de Paris, qui seront bientôt disponibles, qui étaient censés être vendus là à un événement, mais forcément encore annulé, donc bientôt disponibles en édition limitée. Tout à fait, une chose à la fois. Ouais. Il y a Photoshop qui s'ouvre, il y a moins du délai. Qui s'ouvre pas sur le bon écran, c'est ça? Ouais, je vais. On finira par le retrouver. Hop. Clémentine qui dit bien serré les délais, très cool. Merci. C'était serré, justement. Mais des fois, c'est sympa de faire des petits tirages comme ça. Oula, il a un peu de mal avec le live. En même temps, ça fait beaucoup de trucs. Hein. Ça demande à ton ordi d'envoyer trois flux sur deux écrans. Voilà. Il a changé de fenêtre. Ok. Donc là, vous pouvez voir justement l'affiche. Ça, c'est le style que je travaille en ce moment. Là, j'ai des fixettes, j'aime bien aller tester des trucs, et en ce moment, j'aime beaucoup le délire des affiches déchirées. C'est à force d'en voir dans le métro, simplement, quand ils les enlèvent et qu'ils les laissent, on voit celle du dessous et celle du dessous encore d'avant. J'aime bien tous ces paliers d'affiches, donc je travaille pas mal là-dessus. Et, bon, comme vous allez pouvoir le voir, j'ai pas de méthode de travail particulière. En gros, je suis le flow, quoi. Les calques sont pas renommés. Désolé pour les maniaques du calque. Ouais, je suis pas sûr qu'on ait des maniaques du calque. Tiens, sondage pendant que vous êtes là. Qui renomme tous ces calques ici tout le temps et qui, au contraire, avance le plus possible et se dit que jamais vos fichiers ne vont sortir de chez vous. C'est surtout ça, le truc. C'est que normalement, on les montre pas, ces calques. Ouais. C'est perso, un calque. Et je les range que quand je vends les fichiers. Pour le coup. Alors, il y a une question de Aishi qui nous dit « C'est très intéressant ce live, si j'ai bien compris. Parfois, tu prends des photos pour travailler aussi directement par-dessus » Ouais, ça m'arrive. Par exemple, là, quand il y a ça dépend des deadlines, ça dépend du thème, du sujet. Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai pas trop de soucis avec ça. Ouais, je pense pendant un moment, je me suis posé la question en mode « Mais est-ce que c'est triché ?» Et en fait, à partir du moment où tu sais le faire sans, franchement, je ne sais pas. Moi, je suis plus dans le sens où j'aime bien que ça aille vite. Et que mon idée est tout de suite, direct ce que je veux, quoi. Donc, je me sers beaucoup de références photos. Ouais. Après, tu vois, il y a les croquis, des fois je ne fais pas, des fois je vais pas sortir là, j'ai un cadre là, tout au crayon, voilà, où
J'ai passé beaucoup de temps à dessiner, mais le problème, c'est le temps. Et du coup, ouais, je travaille souvent sur photo. Là, par exemple, là, on a la Jordan, qui, j'ai pris un exemple de photo, tu vois, pour refaire mon design dessus, quoi. Voilà, je sais, oui, je pense avoir répondu à la question. Ouais, je pense qu'on est plutôt pas mal. Mais par contre, eux sont en train de commencer à répondre à ma question sur les calques. Donc les gens en formation, les formateurs, les gens en formation ont tendance à renommer leurs calques systématiquement, je le vois, hein, Stéphane s'y colle évidemment, et les gens en prod, pas forcément. Et uniquement, bah ouais, si les clients ou si les collaborateurs ont besoin d'intervenir dessus. Je pense qu'on en est tous à peu près là-dedans. Il y a quelqu'un qui a dit « oui, des fois ». Ouais, c'est des fois. Ouais, c'est... De temps en temps. Si jamais vous regardez sur mon épaule, éventuellement, je renommerai les calques. Ouais, moi aussi. Mais, voilà, en gros, là, par exemple, sur ce genre de truc, ce que je fais, c'est que je travaille directement sur Photoshop. En ce moment, j'utilise un pinceau qui alors, je ne saurais plus dire si c'est la marque, mais Bitstone, ça doit être la marque qui vend ces pinceaux. D'accord. C'est un peu comme Texture Grid. Tu vois, ils font le même genre de trucs et ils font des super... Non, Bitcoin, pardon, ça fait justement partie de ce que ça fait. Et là, c'est AD. Je ne saurais pas vous dire la marque, je regarderai. Et j'utilise le Matter Inker. Et c'est un pinceau, en fait, qui justement, je te disais tout à l'heure, j'en avais un petit peu marre de la régularité de Illustrator. Et voilà, ça rame de fou, je ne sais même pas si c'est trace. Je vais faire un nouveau calque. Ouais, va pas pourrir ton illustration. Non, c'est bon, t'es déjà envoyé en prod. Okay. Mais je sais pas pourquoi. Ah, attends. Voilà. Ok, je vais vous mettre dessus. En fait, ça donne un tracé qui est presque un bidet, en fait. On dirait de l'encre de chine. En ce moment, j'adore ça. Les imprimeurs détestent ça. Et puis après, voilà, j'essaye de le faire le mieux possible pour que ça rend bien à l'illustration, à l'impression. Ouais. Pour voir, je les renforce, tu vois, là, c'est bien, bien noir. Et là, c'est, voilà, c'est plus un bidet. Mais j'aime beaucoup travailler avec ces procédés-là, quoi. En ce moment, j'ai besoin de ce... Je pense que ça doit être le fait d'avoir été retourné sur la peinture. Qui fait que j'ai envie d'avoir un effet plus texturé, plus... Retrouver le côté matière, le côté réel. Ouais, c'est ça, exactement. J'aime bien jouer aussi avec de la trame. En fait, je travaille assez simplement pour le coup. C'est des calques les uns par-dessus les autres, des masques de fusion pour les déchirures. J'ai pas de soft secret à vous montrer. Et parfois, ça m'arrive d'utiliser, quand j'ai envie d'importer une illustration qui est faite sur Illustrator. J'utilise Distress Press, qui est alors je crois que c'est vendu par Texture Grid aussi, je dis pas de bêtises. C'est un plug à action qui va vous faire ce contour un petit peu tremblant. D'accord. Un petit peu réel. Du coup, ça permet d'intégrer des illustrations Illustrator dedans. J'utilise aussi beaucoup les trames. C'est pareil, un soft vendu par Texture Grid. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait il y avait un paquet. Effectivement, voilà. Le Distress, il vient de chez eux. Voilà. En gros, c'est ces trois packs qui me servent souvent. Et voilà. Et sinon, je sais pas, peut-être vous avez des questions, parce qu'en fait, vu que c'est devenu un process normal pour moi, j'ai l'impression qu'il est très simple. c'est juste du dessin et des masques de fusion. Et du coup, peut-être vous avez des questions. Alors, moi, j'en aurais une, justement, là-dedans, ouais. Vu que tu as abandonné ton bleu iconique. Là, ouais. Là, pour un client, du coup, Ouais, tu as travaillé sur sa charte, hein, directement. Ouais, exactement. Ouais, donc ça annule ma question directement. T'as pas eu de recherche particulière de couleurs à faire dessus, t'as pas eu de calage de ton côté. Non, j'aurais pu. Après, c'est moi qui ai décidé volontairement de travailler sur sa charte. Parce que, en fait, le style que j'ai décidé de faire est très, très complexe, mais très rempli. C'est vraiment une abondance de visuels. Et donc, je me suis dit, autant rester très simple au niveau de la couleur, que le client se reconnaisse dedans. Et puis, voilà. Et ça permet d'aérer un peu le visuel, malgré le fait que ça soit quand même bien rempli.
que si j'avais commencé à mettre une charte de couleurs énorme, plus mon bleu, plus machin, je pense que. Ça fait beaucoup et ça devient lourd à gérer. Ouais, exactement. Puis après, l'imprimeur aurait fait une syncope. Donc voilà, là, c'est trois couleurs. Mm-hmm. Pardon, et c'est tout, quoi. D'accord. Cette compo me rappelle, avec du recul, la signature de Pollock. Ah, intéressant. Pollock, j'ai bien aimé pendant un moment quand j'étais en cours aussi. C'est assez fascinant. Après, c'est moins mon délire maintenant, mais effectivement. Mm-hmm. En plissant les yeux comme ça, on peut se dire ça à Pollock. Alors, juste en plissant les yeux, du coup. Juste en plissant les yeux. Alors, superbe la fiche de Johan, ouais, effectivement. Est-ce que, question de Jean-Loup, est-ce que t'as essayé les brosses de Kyle Webster qui font partie du coup de Photoshop maintenant? Ou t'as pas eu l'occasion, ou t'as pas fait gaffe qu'il y avait ça? Non, je sais pas du tout. Qui est Kyle? Alors tiens, je vais repartager mon écran un tout petit peu et comme ça tu pourras voir de ce côté-ci. Hop, où est mon écran? Check, on va se mettre ici et on va se partager là. J'ai beaucoup plus d'écran que d'habitude, c'est un peu étrange. Hop. Donc je lance Photoshop. Kyle Webster, en fait, c'est un des mecs qui, un peu comme True Grit, que toi tu utilises beaucoup sur les images, c'est un des mecs qui a proposé en fait des brosses à l'intérieur de Photoshop. Et le truc, c'est qu'ils ont fini par l'intégrer à l'équipe Adobe. Donc là, je vais me mettre en mode peinture, parce que c'est toujours là qu'on est le mieux pour faire de la peinture. Et en fait, quand tu vas choisir des brosses, quelles qu'elles soient, tu vois, là, je vais partir, on va prendre un pinceau basique, on va choisir, alors là, si je choisis des effaceurs, ça va moins bien marcher. Je peux prendre des brosses, de lettering, etc. Il y a pas mal de petites brosses comme ça. Et dans ton Photoshop, quand tu vas dans le panneau pinceau, dans le panneau pinceau qui s'appelle, je sais plutôt en français toi, dans le panneau pinceau, dans le petit menu sur le côté, tu peux lui demander en fait d'aller obtenir plus de pinceaux. Et en fait, tu vas te retrouver sur une page Adobe, et sur cette page-là, en fait, tu vas pouvoir télécharger plein de brosses, et un paquet incommensurable de brosses en plus, à base d'aquarelles, d'éclaboussures, de gouache, de trame manga, parce que tu kiffes ça, de demi-teintes, etc., etc. Wow. Et, et tout ça, c'est intégré à ton Photoshop. Ouais, j'avais jamais vu pour les brushes. J'ai utilisé Dimension, j'ai vu qu'il y avait à peu près le même genre de truc, ouais. Il y a plein de stocks, mais je ne savais pas pour les brushes. Ouais, ils sont. Les trames de manga et tout, ça, je vais en faire. Je pense que ça me parle. Ouais, il me semble que ça peut. Je pense que ça peut correspondre à ce que toi tu mets en place. Tiens, on est reparti. Carrément. On est reparti sur ton écran. Au cas où. Ah, ok. Enfin, sauf si tu veux pas, hein. T'as le droit de me dire non. Non, peu importe, si, je peux dessiner avec vous, je peux vous montrer un autre fichier. Mais écoute, on peut faire un vote du public, montrer un autre fichier ou dessiner avec nous? Le public va mettre 30 secondes à réagir, hein, ça, soyons clairs. Oui, c'est forcément, oui. Il y a toujours l'encodage de YouTube, on l'avait évoqué à deux. Sport, là. Ouais, non, c'est pas... on est très en avance et tout, ça permet juste de s'assurer que le replay sera bon dessus. Génial, ouais. C'est Fresco dans Photoshop, nous dit Viviane. Ouais, tout à fait. Fresco, c'est autre manière de bosser quand t'es soit sur un ordi type Windows, Surface ou autre, soit sur un iPad dessus. Alors tout du ouais, les deux. Du coup, j'ai jamais... Les deux, session live dessin, dessiné. Bon, je pense que Younes plus sympa, il dit un fichier. Non, je pense qu'on va partir sur du live dessin. Hein. Ouais. Bon, je pense qu'on est en... On espère que ça va pas trop ramer. Pas trop ramer. Quand j'ai fait mon trait tout à l'heure, ouais, ça devrait aller. Tiens, je reconnais ces petits visuels d'intéressant. Ouais. La nouvelle housse de mon canapé. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dessiner du coup? À vous de me dire.
Ça, on aurait dû leur demander beaucoup plus tôt. Je pense qu'on va Oui, rester. j'avoue. Ouais, tu vois, je pense qu'on va rester sur un canapé. T'as déjà dessiné un Un canapé? canapé? Bah ouais. Comme ça, on est dans ton canapé, on est sur ton canapé même. Vas-y, on va dessiner un canapé. Partir sur un canapé. Attends, je vais faire ma frame classique derrière. Donc, je vais aller chercher mon petit pinceau. Préféré. Ah, Mon tu master commences par maker. faire le cadre avant de faire le avant de peindre. Là, ce que j'appelle ma frame, tu sais, c'est en gros la composition derrière en couleur où je mets une petite phrase, ou, tu vois. J'aime D'accord, bien faire ça. Bon, en ce moment, c'est un peu ma structure de visuel. C'est un peu la signature du moment. Ouais, voilà, exactement. Après, je pense que c'est marrant du coup, parce que ça me fait penser, je disais à Jérémy Claes, quand j'étais dans son live, que c'est pas trop mon genre d'aller au fond des choses. Et en fait, je me rends compte que, bah, si, parce que justement, je suis en train d'user ce gimmick jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il me lasse, en fait. Est-ce que tu veux Donc, au dire final, on va bientôt plus le voir et ce sera un peu sa dernière apparition ou c'est non, tu vas quand même pas forcément, ce sera juste, je vais peut-être me calmer un peu dessus, mais continuer. il sera là plus discrètement. Par exemple, vous regarderez sur mes illustrations Instagram, je réutilise beaucoup d'illustrations quand je fais des mashups qui sont déjà parues avant, en fait. Je les mets juste dans des petites déchirures ou voilà, j'en réutilise beaucoup. Donc, forcément, on le reverra, peut-être moins. Ouais, C'est comme les déchirures, c'est nouveau, ça vient remplacer le plein format de ce que je faisais avant. Mais voilà, je pense que ça reviendra très différemment. J'expérimente, je cherche. Je pense que ça fait partie du truc d'expérimenter en permanence. Ouais. Alors, petit canapé. Je vais faire celle du bas aussi. Et si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, on est toujours là, on est toujours dispo, et on pourra transmettre sans trop le déconcentrer. Ça va. Je vais essayer de faire pas trop long. Il faut savoir que le dessiner, enfin le en direct du canapé existe aussi en Allemagne, il s'appelle Live from Sofa. Pour les gens qui ont envie Yes. de rester dans la partie canapé européen. Pour les gens qui parlent allemand, du coup. Ah, il y a des gens qui te suivent, il y a John Zamti qui dit on aimerait bien un canapé avec ton chat. Ok, ça marche. Et Salut John. Brice voudrait un canapé déchiré. Ok, voilà, pas bête. Sur un vieux canapé de squat. Déchiré par le chat. Ouais, ça peut arriver, malheureusement. On va faire un canapé, un vieux canapé classique. Que je le fais de face ou je vais tenter une perce. Soyons fous. Tu tentes la perce à main levée avec du public et des gens derrière ton épaule, ça Voilà, va, ça? exactement. C'est toujours bien ça. Aucune peur. Me demande d'ailleurs s'il y a parmi les gens qui nous suivent, des gens qui ont justement eu ce cas de devoir dessiner en mode dédicace avec le public, avec la cam et tout. Moi, j'ai juste eu à signer à la Paris Games Week des visuels. Ouais. J'ai réussi à louper ma signature. Ah C'est oui, quand fou. même, ouais, parce que tu la connais pas souvent ou parce que tu J'avais. imites les signatures des autres. Voilà, tout ça, j'arrivais à inverser des lettres de mon propre nom. Ça, c'est parce que tu t'appliques C'est trop, tu stylé. sais, trop concentré. Ouais, c'est un petit peu la pression, ou alors on me parle en même temps, et du coup, donc c'est au bout d'un moment, c'est un geste machinal, tu vois. Ouais. Alors, je sais que les Simpsons l'ont déjà fait, mais effectivement, le gag du canapé, on va être bien là. Personne ne sait que les Simpsons l'ont déjà fait.
Et je crois que tous les créateurs de South Park savent très bien que les Simpsons l'ont déjà fait. Ils ont fait un épisode entier là-dessus. Ouais, j'ai vu. Ils ont tout fait, ils pensent. Je pense qu'ils se complètent bien. Je vais faire un petit coup simple. Il y a Younes qui avoue avoir déjà dû dessiner devant ses élèves, mais jamais en show. Alors que c'est faux, moi je l'ai déjà vu dessiner en show, mais quand il œuvre avec Wacom, justement, où il présente un peu son travail de storyboard. J'ai vu que de toute façon Stéphane avait déjà dévoilé qui était Younes qui nous suivait aujourd'hui et qui commentait dans le chat. Bennett Mob nous dit j'aime pas trop travailler avec des yeux derrière moi. Ouais, c'est difficile. Alors, personne n'aime ça, je pense. Non, mais t'inquiète, on regarde pas vraiment. Vous regardez pas, Non, 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 personne ne hein. regarde. Fermez les yeux, tous. Ben, c'est toujours un peu plus stressant, c'est sûr. Ouais, parce que tu te dis, ouais, faut pas que je me rate et tout, alors qu'en vrai, il y a personne qui est capable de. Oui. Là, ça va, j'ai pas trop la pression. Je vois bien que mon canapé n'est pas le meilleur canapé du monde, mais pas grave. Ça va le devenir au fur et à mesure. Alors du coup, toi, en termes de tablette, t'es quoi? C'est du Intuos, du Cintiq, du... Alors moi, je travaille que sur tablette. J'ai que du Wacom pour le coup. J'ai une Bamboo Ouais. que j'utilise la plupart du temps. Et là, j'utilise une Cintiq. Voilà, pas les dernières, une vieille Cintiq 16 pouces qui marche très bien. Qui me suffit parce que la dernière, c'est assez cher, les Cintiq, donc. J'ai acheté celle-là il y a un petit moment maintenant, elle tient la route. Ouais, alors pour le coup, je sais qu'ils ont fait des versions moins chères, plus entrée de gamme, et Ouais. qui ont tendance à bien satisfaire les gens que je connais qui ont craqué. Qui se disaient, Ouais, ouais, peut-être à un moment on. donné, ouais, je changerai, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ah, Frédéric nous dit, il l'a déjà fait en concert sur un paperboard face au public. Sympa ça. Ouais, ben. Les gens étaient concentrés sur le concert. Ah bah ça doit dépendre du type de concert. C'était quel type de concert, Frédéric? Je sais pas s'il y a beaucoup de Frédéric qui nous suivent. Hop. On va essayer de savoir qui il est. Comment? J'aime bien aussi ton style du moment avec l'étiquette en haut en bas, c'est un petit côté alcoolique anonyme. Hello, my name is. Ouais, un petit peu, ouais. C'est vrai qu'il y a tout ça, j'en ai pas parlé, mais effectivement, tout ce qui est street art et comment graphe, c'est aussi une grosse influence. Moi, j'en fais pas, pour le coup, Ouais. parce que je cours pas assez vite pour éviter la police. Mais j'ai toujours été fan de ce truc-là. Une de mes premières influences en même temps que Warhol, par exemple. Parce que quand j'ai découvert aussi les graffeurs graphistes, genre 123 clans, par Ouais. exemple. 123 clans, Grumps, tout ça, tous ces gens-là me fascinent. Ouais, Grumps, j'en ai parlé justement dans ma présentation Adobe Laptop. Ouais. Mais ouais, ça a beaucoup d'influence. Et je pense que peut-être ça vient aussi de ça, en mélange de publicité, justement, Hello, my name is. Y a Charlotte qui découvre qu'on pouvait tourner la feuille et que c'est trop bien. Ouais, deux doigts sur le trackpad et hop. C'est ça. Et pour ceux qui n'ont pas de trackpad, c'est R pour rotation. Et D'accord. majuscule pour le remettre, enfin R majuscule ou R échappe d'ailleurs pour pouvoir le remettre à plat. Parce que moi j'aime bien travailler avec des angles fixes. Genre, je suis un peu maniaque sur ça. Ouais, bah, moi je pense que ça vient du collège où on se tient n'importe comment, mais je dessine tordu. Enfin, je dessine sur le côté, en biais. Donc, je faisais partie des gens qui avaient une feuille à 45 degrés pour écrire. Du coup, ça m'aide bien. C'était pas juste pour que ton voisin regarde pas directement sur ton épaule.
Ça peut être aussi, je partage, mais bon, il valait mieux pas copier sur moi. C'est pas le meilleur plan. Alors par contre, il y a un truc qui m'impressionne un tout petit peu, c'est que ton canap, tu nous l'as fait là, sans avoir de ref en dessous et tout. Tu t'es pas amusé à faire. Ouais, bah, ça m'arrive de le faire quand même, ça dépend. En fait, c'est plus sur les humains que je fais ça, parce que le corps humain, c'est assez compliqué. Mais pour les objets, ça dépend. Là, j'étais dans le mood, j'ai commencé comme ça. Effectivement, je suis plus du genre à faire du direct et faire du pomme Z que faire un ref, tu vois. Ça dépend. Je travaille souvent comme ça quand même. Exactement, et je suis assez un adepte du one shot. Je fais rarement, en fait, là, par exemple, pour la presse, on en parlait tout à l'heure, moi je découvre, c'est un peu nouveau pour moi. Et souvent, on me dit, tu peux m'envoyer des refs, si tu veux, pour faire valider. Et en fait, je comprends pas trop, moi, c'est-à-dire que je vais aller aussi vite à réfléchir à un beau ref qu'à faire l'illustration finale directement. Donc en fait, j'envoie des versions finales, moi, en presse. Ça va, Alors, ils ont j'imagine pas que trop toi. choqué. Non, bah, j'ai eu de la chance que c'était validé en one shot, justement, à chaque fois. Mais effectivement, quoi, je pense que moi, je débute en presse, et quand tu commences à faire des gros articles et qu'on te dit ça va pas et qu'il faut recommencer encore et encore, je pense qu'à la fin, tu fais des refs et des sketchs. Ouais, et puis je C'est ça. suppose aussi qu'il doit y avoir toute la problématique de la complexité du style de chacun. On va dire, si c'est Ouais, c'est ça, je pense. toi qui pratiques l'huile au quotidien aussi, tu sais le temps que ça prend, le temps que ça sèche et autres, mais quand À t'es. l'aquarelle, moi. Ah, pardon, L'huile, c'est. c'est encore plus compliqué. Je suis pas prêt encore pour l'huile. Ah, pardon, Parce que l'huile, ça met 6 mois à sécher. Ah, Mais mince, je t'avais vendu sur de l'huile, pas du tout alors, mince. ah, non. Enfin, j'ai pas encore essayé. Non, c'est plus acrylique, parce que du coup, ça sèche vite. C'est enchaîné. En mode productif. Ouais, exactement. Alors, je vois. Du coup, j'ai pas regardé le chat. Écoute, tout va bien. Ça Tout va avance. On bien, était en tout va train de se bien. partager les trucs et astuces. On a découvert que Frédéric était fan de Bernard Minet. Ok. Mais qu'il était présent aussi sur plein d'événements en signature ou autre, donc c'est assez rigolo de voir ça. C'est la journée des Ok, geeks qui ça va. customisent leur contenu. Ouais. Voilà, par exemple, il y en avait pas mal. C'est assez cool à faire. Je vais faire un canapé qui est dans mon délire du moment, du coup, avec les déchirures, mon Bah ouais. débris. Il faudra que j'intègre le chat quelque part. Je pense que ça fait partie du truc. Je me demande même si on va pas lancer vraiment ça avec les gens qu'on reçoit. Que nos photographes Déjà filment dessiner un leur canapé à chaque canapé. fois? Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. Les vidéastes nous font un film sur un canapé pour avant, que les photographes se calent une petite ambiance canapé. Alors Ça pourrait être un beau ça délire. pourrait être un transat pour ceux qui ont de la chance d'avoir un jardin, ça pourrait être un canapé d'intérieur, un canapé d'angle, ça peut être une chaise de bureau si vous êtes vraiment hyper productif. Mais ça peut être marrant, ouais, les gens dans le chat, est-ce que vous êtes du genre à être motivé pour dessiner avec nous des canapés et les partager, alors soit sur le Insta d'Adobe France, soit sur le Twitter, histoire qu'on voit un petit peu, voilà, on va pouvoir retrouver ce truc-là. J'avoue, je suis pas allé à la recherche du hashtag en direct du canap. Ouais. Je sais pas ce Faut qu'il va lancer. donner en fait. Ouais, non, mais Balance alors. ton canap. C'est ça. Mais non, mais justement, le vrai problème, c'est que j'ai saisi à un moment en direct du canap. J'ai pas vérifié s'il avait déjà été utilisé. J'ai déjà eu des surprises, tu sais. Ah. De hashtag que tu utilises de manière genre hyper soft, bonne ambiance et tout, et tu te rends compte qu'en fait c'est utilisé pour des trucs mais qui ont tellement rien à voir. Ouais, d'accord. Mais ça va. Là, pour le coup, on est bon. Vous pouvez utiliser en direct du canap, sans apostrophe, sans et. C'est libre, C'est vous êtes bon, libre. c'est il y a 10 autres publications et elles sont pas trop crades. Tout va bien. J'ai dit pas trop seulement. Ok. Jean-Loup est hyper partant pour faire ça.
Viviane a travaillé dans le pré-presse, c'est plutôt du côté du montage qui va couper l'article du journaliste. D'accord. Et Frédéric était à Paris Games Week à côté de Johan, c'était ton voisin de droite, Asroth. Frédéric Thomé. Ah, ben oui, salut Asroth. J'avais pas vu que j'avais pas calculé avec Thomé bien fier. Je fais des dessins de ouf. En direct live en plus. En direct live. Ouais, il était beaucoup plus habitué que moi à tout ça. Et aucun stress. Détendu. C'était toi. Ouais, le résultat est fou à chaque fois. Oui, après. D'ailleurs, on devait peut-être te voir pour le Paris Basketball, parce que tu travaillais pour Xbox, pour le jeu Ori, je crois. On s'est peut-être croisé sur cet événement qui a été annulé. D'ailleurs, j'ai vu que je crois que tu t'es mis au Lego. Ça avait l'air assez stylé, ça m'a donné envie. Lego Star Wars et tout ça, là. Alors attends, du coup je le regarde pas du bon côté parce que je le regarde du côté Twitter. Je suis sûr qu'il doit se passer plus de trucs du côté Instagram. Ouais, je pense. Il faudra qu'on se trouve une solution pour pouvoir récupérer les Beyonds des uns des autres, les Twitter des uns des autres. Carrément. Est-ce que dans le chat, ils peuvent pas partager des liens? Ouais, dans les chats, on leur fait pas partager de liens, parce qu'on a un bot qui est un petit peu sévère sur ça et qui nous permet d'être un peu plus au calme dans le chat. Ouais, ça évite la pub sauvage, d'avoir mon blog. C'est exactement ça. Okay. Donc la modération est un peu plus sereine. Je vais essayer d'accélérer un peu. Oui, il n'y a aucune urgence, tout va bien. Thierry nous dit, elles sont jolies, tes déchirures. Brice espère que la prochaine étape, ce soit le quai 54. Ça te parle, le quai 54, grave. Toi? Bien sûr, ouais. Bah, j'ai été avec Brice, justement. C'est mortel. Je veux faire des designs de Jordan. Des vrais Jordan. Ah ouais, le quai 54, ils ont un... Ouais. Du coup, ça se rapproche avec Paris Basketball. Ils ont un peu la même com. Sauf que les couleurs changent chaque année. Ouais. Mais pour le coup, c'est pas très illustré, c'est une com très très graphique, très maliste, mais qui défonce, quoi. C'est vraiment, ils savent très bien faire. Jusqu'au le terrain de basket sur lequel il y a le championnat et aux couleurs de la communication de l'année. Enfin, tu vois, c'est... Ah ouais, je vois le thème a l'air assez cool. Les baskets, ça donne envie en tout cas de travailler pour eux. Je suis pas du tout un grand fan de basket, j'aime bien le sport, mais j'y connais rien du tout. Mais par contre, l'univers me plaît vachement. Ouais, effectivement, comme c'est très lié au hip-hop, l'air de rien. Bah ouais, mais t'as tout le côté street, de toute façon. Le basket, c'est quand même genre, on vous donne 30 mètres carrés de macadam et débrouillez-vous, quoi. Ouais, c'est ça. On avait fait dans les séries sur la photo, sur la partie Lightroom, on avait vu dans les Lightroom Stories... Le fameux terrain de basket, tu sais, qui est tout en couleur violet, orange. Oui. Je sais plus comment il s'appelle, ce terrain de basket. Oui, à Paris, ouais. J'ai jamais été le voir en vrai, mais... Effectivement. Il s'appelle le Playground... Comment il est appelé? Je l'ai en première image, évidemment, sinon ce serait pas drôle. Voilà... dans les 10 plus beaux terrains de basket de Paris. À Pigalle, visiblement. À Pigalle? Ouais. Ah, mais en fait, ils le refont régulièrement? Bah, je crois, hein. Ouais, j'avais pas percuté du tout. En fait, visiblement, sur le lieu, donc c'est le terrain de basket de la rue du Perret. Et là, il y a un deuxième habillage. De quand il date? Retrouver là. Oui, non. 2015, il était en couleur Mondrian, rouge, bleu, jaune, blanc. Moi, celui que j'ai connu, c'était les versions dégradées de rose et de violet derrière. Ouais, je vois exactement. Tu vois, la Felipe Pantone, tu vois.
Tout à fait, c'est vraiment cool. Et j'avais pas percuté qu'il le refaisait régulièrement. En tout cas, moi, je l'avais connu que dans sa dernière version. Frédéric nous demande Fresco sur macOS un jour, pas que iPad, on travaille sur Cintiq. Ouais, je suis d'accord. La problématique, Frédéric, sur Fresco, il faudra qu'on en reparle, un de ces quatre, c'est que pour l'instant, les choix qui ont été faits autour de Fresco sont d'utiliser des systèmes, des OS, qui prennent en compte directement, en fait, directement le touch, pour pouvoir se focaliser ben, sur l'expérience outil. C'est pour ça que l'iPad prend en compte le touch, les tablettes type Surface, type même Cintiq, les Mobile Studios de chez Wacom font ça. Et malheureusement, et j'en suis le premier concerné, le premier triste là-dessus, sur Mac, on est obligé de passer par les drivers externes de Wacom, et donc pour l'instant, on n'a pas encore accès à ça. J'espère bien qu'un jour, on l'aura sur macOS. Il y a Frédéric qui réclame de voir ton tatouage. Tatouage, ah oui, parce que je me suis fait tatouer justement à la Paris Games Week. Ah, par ton voisin ou par quelqu'un d'autre? Par le voisin d'après, c'est Jean-Hugues. En fait, on a fait une soirée de même pas de fin de Paris Games Week, une soirée de milieu de Paris Games Week, et il a ramené son tatouage. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là, parce que du coup, je ne me vois pas en direct, mais en gros, c'est la boîte de Warhol, la boîte de soupe, D'accord. tatouée sur le bras. Marqué Lighton à la place de Campbell. C'est pour dire que voilà, mon inspiration vient de là, quoi. C'est ça, tu vas vraiment à fond dans le truc et c'est du Ouais, commitment, c'est ça. du vrai C'était engagement une pour le coup. sacrée soirée. Donc, je me suis fait tatouer entre une part de pizza et une bière. C'est C'est toujours les meilleurs vraiment un petit résultats. moment. L'alcool est toujours très Exactement. bon conseiller sur les tatouages en général. Exactement. Je faisais pas le malin, en vrai, j'ai dessiné pendant 15 minutes la bonne version de ce que je voulais. Ouais, au final, c'est Avec les plutôt bonnes fautes sympa. d'orthographe qui restent. Voilà. Exactement. Ah, il n'y a plus de H dans Lighton. Ah, zut. Ah, merde. Le pop art dans la peau. Exactement. Ah tiens, nous avons été rejoints par Yves Chatin, qui est un des experts, un de nos experts autour des applis Creative Cloud. Notamment, on le retrouve sur la chaîne régulièrement pour les post café Lightroom. Pour tous les gens qui font de la photo et qui sont intéressés par le fonctionnement de Lightroom classique, vous avez ça, c'est des petites séries qui font 1 minute 30, 2 minutes, et sur lesquelles ils nous donnent plein de petites astuces, mais qui sont juste magiques. Il y a plein de contenus intéressants sur lesquels je vais souvent regarder les lives. Merci. C'est quand même. Le contenu n'est J'apprends surtout intéressant. plein de raccourcis et tout ça, des petits trucs. Mais le contenu est surtout intéressant grâce aux artistes qu'on reçoit, en fait. Pour le Ouais. coup, il y Ah, a merci. toujours un échange avec des gens qui sont motivés pour partager pour partager leurs astuces, le fonctionnement, la manière dont ils bossent. Et je trouve ça, enfin, je suis assez content de pouvoir participer avec vous et pouvoir vous proposer tout ça régulièrement. Marc est très admiratif de cette performance en live. En fait, c'est le moment où on commence à retrouver tous les gens, tu sais, qui étaient au calme, en train de bosser, qui sont en train d'arriver tranquilles parce qu'on leur a parlé de canapé, parce qu'ils viennent voir un petit peu le canapé déchiré. Je crois que ça leur plaît. Merci. Merci. Et il y a Frédéric qui te abandonne et qui te passe une bise de sa Ça marche. part. Bon, bisous, Frédéric. Voilà, À bientôt, j'espère. il doit On retourner à fera sa du confinement. Cintiq et à ses clients. Ouais. Et non, Alexandre, il n'y a aucun lien entre la pause café d'Yves Chatin et Véronique Jeannot. Et là, tu te dis qu'on a des gens qui ont passé beaucoup trop de temps devant la télé dans les années 80.
J'ai pas la ref, je suis désolé. T'as même pas la référence? Tu connais pas Post Café, ouais, Post Tendresse? Non. Tu connais pas ça? Ah, les enfants, je vous jure. Je suis né en 90, j'ai pas la ref. C'est ça, non, je pense que c'était plus diffusé à l'époque déjà. C'était la série dédiée à développer l'empathie pour les assistantes sociales. C'était une très bonne chose. D'accord. Bon, je pars en freestyle, hein, je ne sais pas. Mmh. C'est pas pour ça. Et il y a Viviane qui nous dit, du coup, c'est fait avec tablette graphique. Ouais, ouais, Viviane. C'est fait avec une Cintiq. Ouais, c'est une tablette sur laquelle je dessine directement sur l'écran. C'est pour ça que vous me voyez la tête baissée. C'est ça. Je peux peut-être vous la montrer. Je sais pas si vous la voyez, parce que j'ai un décalage entre l'image et le... Oui, attends, je fais... bouge pas. Je vais essayer comme ça. Où j'ai mis mon plan, où on est tous les deux. Là. Hop, je crois que j'ai fait ça, vas-y, ouais. Là on voit plus que ta main, c'est pas mal. Faut que je nous fasse un plan magique. Je peux pas lever le truc parce que j'ai peur que ça déconnecte la tablette. Ouais, c'est ça, non, ce serait ballot, ça m'arrangerait pas trop. Non, ne déconnecte pas la tablette. Ah, mais voilà, oui, c'est une Cintiq, Wacom Cintiq. Très bien. Acheté d'occasion il y a quelques années. Et qui fait toujours son office, donc tout va bien. Écoute, on est pas mal là. En direct du canap. Il manque plus que le canap. Il y a un bon jaune qui frappe. Je trouve que ce choix de deux couleurs pour parler canap est parfait. En direct du canap, voilà. Un petit fond crème devrait être pas mal. Ah, c'est pas droit. Non. C'est pas grave. On va caler ça. Ah. C'était pas droit et c'était pas fermé non plus. Ouais, c'est pas fermé. Ça doit être par là. Tac. Voilà. Nickel. Écoute, merci beaucoup. Il est bien, bon, ça, on dirait du canap. On est bien, là, on est pas mal dans le canap tous les jours à 14h, pour ceux qui nous découvrent, pour ceux qui sont arrivés en milieu d'apéro, pour ceux qui se demandent ce qui se passe par la suite. C'est une série qu'on construit au fil des jours, tranquillement. On a commencé lundi. Depuis lundi, j'ai eu la chance de recevoir Richard Maillot pour plein de trucs sur le pré-presse, donc les gens qui sont entre Photoshop, InDesign, Illustrator et qui fabriquent des documents, que ce soit imprimés ou PDF maintenant, eh bien, c'est revoyer la session avec Richard Maillot. Pour les autres, eh bien, j'ai fait une session sur la géométrie et les maths lundi autour d'Illustrator. Stéphane Baril, qui est avec nous en commentaire régulièrement, était en direct de son canapé pour nous parler d'Adobe Dimension et de la 3D dans les outils Adobe.
Donc pour pouvoir justement, eh bien, tous les gens qui ont besoin de mettre en place un packaging, un produit spécifique, etc., et qui ont une version, qui ont que les versions 2D de leur logo ou autre, pouvoir faire les essais et faire les rendus, donc c'est plutôt très cool. Et la semaine prochaine, donc Nicolas Burnage sera avec nous, Étienne Mineur ce mercredi, et on vous fera encore plein d'autres sessions avec Stéphane et avec tous nos invités. Ça y est, en direct du canap. Ça y est. T'as même réussi à le signer. Bah ouais, quand j'ai fini, c'est jusqu'au bout. Stylé, c'est rapide quand même. Merci. Je sais pas qui est derrière le compte Adobe France. Mais merci, c'est gentil. Eh bien écoute, je ne sais pas, mais c'est pas moi en tout cas. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ah, peut-être. Merci à tous, en tout cas. Merci à toutes de passer. Merci à ma sœur, mes parents, peut-être, qui regardent ce live. C'est ça. Brice, c'est ça. Si vous nous regardez. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ça avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps entre les lives chez Adobe, les directs chez Jérémy Kleiss. T'es de plus en plus productif. Est-ce que tu vas continuer à nous faire des canettes, des moulages de canettes prochainement ou pas? Ouais. Il faut que je les peigne maintenant. Mm-hmm. Ceux qui savent pas, vous pouvez aller voir sur mon Instagram, vu que ben, pendant le confinement, on sait pas trop quoi faire. Moi, je fais des canettes en résine, mais je les peins. Mm-hmm. Bon. En direct. Je vais faire des lives aussi sur Instagram. C'est plutôt une bonne chose, ouais. Et du coup, vous pourrez revoir aussi sur Insta, parce que de temps en temps, tu mets des petites vidéos de ce que tu fais sur la peinture et tout, où on te voit peindre parfois. Ouais. Mm-hmm. Ça arrive. Pour l'instant, j'ai pas peint depuis le début du confinement. Mais je pense que ça va pas tarder à arriver. C'est ça. Ça va pas tarder à arriver. Il y a surtout des vidéos aussi de mon chat. Vous verrez. Plus les jours de confinement commencent à passer, plus enfin, pire c'est. Je pense que ça va être le thème pour beaucoup. Très chouette session, merci à l'artiste, grave stylé. La session sur Dimension, très bien. Merci à tous, merci à vous. Merci encore, Johan. Merci à tous les gens qui nous ont suivis, qui continuent de nous suivre pendant ces quelques jours. Je vais raccrocher, hop, disparaître 2 secondes. Voilà. Donc, ben merci beaucoup à tout notre public. Je suis très content que vous soyez là, que vous soyez présents pendant les directs. Pour ceux qui s'inquiètent d'arriver seulement maintenant et se disent que zut, ils sont à la fin, eh bien, rassurez-vous, en fait, vous arrivez à la fin, mais il y a le replay qui est déjà disponible, donc vous pouvez à tout moment revoir ce qu'on vient de mettre en place. Et puis, n'oubliez pas, hein, tout est dispo sur la chaîne YouTube Adobe France. À tout moment, vous pouvez revenir, vous pouvez cliquer sur toutes les sessions, que ce soit en masterclass, que ce soit sur les applications, tout sera dispo pour vous. Merci à la communauté, merci à tous, à très bientôt. Bye bye.